Salut à toutes et à tous, c'est Rivagno, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Alors, je m'excuse par avance, comme vous pouvez le voir, j'ai un casque micro. Si le son est moins bon, je suis vraiment désolé. J'ai un petit problème avec mon micro Blue Yeti que j'utilise d'habitude. Ne vous inquiétez pas, à partir de la semaine prochaine, à partir de la vidéo suivante, je reviendrai évidemment sur mon micro traditionnel. Parenthèse fermée. Aujourd'hui, on attaque une notion dont je parle depuis belle lurette. Effectivement, les strings, j'en parle depuis peut-être les toutes premières vidéos que j'ai faites de cette playlist sur les variables. Je crois que j'avais déjà introduit la notion rapidement de string. Dans cette vidéo, on va vraiment attaquer cette notion, on va vraiment voir ce que c'est, on va parler des différentes choses qui la concernent et on va prendre évidemment des exemples pour que vous compreniez le mieux possible ce que c'est que cette notion, parce qu'en fait, il faut savoir que les strings, déjà, pour commencer, c'est une classe. Ce n'est pas une primitive, c'est une classe template, bien évidemment. Alors, juste pour ceux qui m'ont posé des questions par rapport à quand est-ce que j'abordais telle ou telle notion, il faut savoir que j'essaye le plus possible déjà d'aborder des notions qui sont primordiales, qui sont les plus importantes. Les class templates, c'est pas que je les dénigre, absolument pas, je m'en suis déjà servi et je m'en sers quelques fois. Elles sont très puissantes, elles sont très utiles, mais ce sont des notions qui sont assez avancées, les classes et les fonctions de template. Et dans l'absolu, en fait, c'est pas des notions dont vraiment on a besoin de manière quotidienne quand on développe. Quand on prend des exemples comme des systèmes d'exploitation Linux ou Windows, il faut savoir que ça, ce sont des programmes, ils sont très complexes, leurs fonctionnalités sont très avancées, sont très développées, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec un système d'exploitation, je vous apprends rien, et tout ça c'est fait en C et en assembleur. Un autre exemple, les moteurs de jeu comme par exemple Unreal Engine. Alors je suis pas développeur chez Epic Games, mais j'ai déjà essayé de coder un petit peu à travers le C++ en Unreal. Donc le C++ d'Unreal Engine, c'est quand même un dialecte à part entière. Même un développeur assez aguerri, il aura du mal à comprendre, mais j'ai vu aucune classe template, aucune fonction template. Donc je suis pas en train de vous dire que ça sert à rien, je suis pas en train de vous dire que je vais pas les voir, je suis pas en train de dire que c'est pas une notion très puissante et très intéressante. Simplement, j'essaye vraiment en fait de faire ce que je juge le plus important, je priorise en fait les notions que je vous apprends. Donc je reviens à mes moutons, donc à la classe string. Il faut savoir que la classe string, c'est une classe template, effectivement. Donc là on voit toute l'étendue de la puissance template, ça contredit un petit peu ce que je vous disais avant. Néanmoins, la classe string, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est qu'une fonction template ni une classe template pour la comprendre et pour l'utiliser. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va inclure le fichier header string. Voilà, donc on a besoin de ce fichier dans tête pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités, les méthodes qui appartiennent à la classe string. Ici, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va voir, c'est les différentes manières de construire un string, parce que je vous en ai montré qu'une, c'est celle-ci. Par exemple, std string mot 1 égale par exemple bonjour. Donc là, effectivement, on construit un string, on le déclare et on l'initialise. Et on l'initialise comment? Grâce à l'opérateur d'assignation. C'est possible de faire autrement, c'est une classe. Donc qui dit classe dit aussi constructeur. On peut faire ceci, std string mot 2 entre parenthèses hello. Voilà une deuxième façon de construire un string à travers directement en fait l'appel de son constructeur ici. Il faut savoir qu'il y a plusieurs constructeurs. On va pas tous les voir, je vais vous en montrer juste un dernier pour le fun. Il est pas très utile, mais il est quand même assez rigolo. Regardez, si je fais ceci par exemple, R. Alors ici en fait, il faut savoir que j'ai passé un nombre, ça représente un nombre. Je vais pas vous spoiler tout de suite que va faire ce constructeur. On va l'afficher en fait avec un petit cout, notre mot 3. Mais peut-être que vous pouvez déjà un petit peu sentir et deviner ce qu'il fait. Regardez, donc là, on lance le programme et comme vous pouvez le voir ici, on a 10 fois la lettre R qui s'affiche. On a 10 fois la lettre R qui s'affiche parce qu'en fait, le constructeur, ce constructeur-là, en tout cas, on précise ici le nombre de lettres qu'on veut stocker dans notre string. Là, on lui dit qu'on veut stocker 10 fois la lettre R. Voilà. C'est tout simple, c'est tout bête, ça peut servir dans certains cas de figure, par exemple si vous avez besoin d'un séparateur et pour éviter de rester appuyé sur la touche de séparateur, vous pouvez dire voilà, je veux 100 de ce caractère-là, par exemple le tiret du 6. Vous allez voir que si je lance le programme, on va avoir 100 fois le tiret du 6, voilà, qui s'affiche et qui peut faire par exemple office de séparateur entre deux blocs ou deux parties de texte ou je ne sais quoi encore. Voilà pour les différents constructeurs de la classe string. Donc je vous le répète, je les ai pas tous vus. Je vous invite à aller par exemple sur les sites CPP référence, ce genre de site internet où vous allez pouvoir vraiment voir la liste de tous les types de constructeurs qu'il existe pour la classe string en C++. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. On va passer à quelque chose d'assez simple. On va commencer par ce qu'on appelle la concaténation de strings. La concaténation, c'est quoi? En fait, c'est simplement faire en quelque sorte la somme de strings. Donc évidemment, c'est pas une somme de nombres numériques, hein, c'est la somme des strings et ça va nous permettre en fait de les coller, si je puis dire, les uns après les autres. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Donc là, on va garder mot 1 et mot 2. On va se débarrasser de mot 3. Et en fait,
fait, ici, tout ce qu'on va faire, c'est déclarer un troisième string qu'on va appeler result, et on va tout simplement faire mot 1 plus mot 2. Et tout ce que ça va faire, en fait, cette concaténation de strings, c'est tout simplement fusionner bonjour et hello. Donc ça va fusionner mot 1 et mot 2. Donc là, pour que ce soit un peu plus propre, on va faire un petit espace, on va lancer le programme et vous allez voir que ici, on a bonjour hello en fait qui est maintenant un seul et même string parce qu'on a fait une concaténation, c'est-à-dire qu'on a rajouté mot 1 et mot 2, on les a fusionnés, on les a merge pour créer un troisième string. Donc évidemment, on pourrait faire aussi ça, on pourrait faire directement dans le cout mot 1 plus mot 2, voilà, ça va être exactement le même résultat. Je fais F5, vous allez voir, on a bonjour hello qui s'affiche. On a une autre façon de faire de la concaténation de string. On peut se servir d'une fonction qui s'appelle append, qui est une fonction qui appartient en fait à la classe string, c'est une méthode de la classe string. D'ailleurs, les développeurs C++ vous encourageront en fait à utiliser cette méthode plutôt que d'utiliser l'opérateur plus sur des strings pour la simple et bonne raison que c'est une méthode qui fait partie de la classe, qu'on s'assure en fait la compatibilité avec une variable de type string puisqu'on est dans la même classe, donc c'est comme si on manipulait en fait des données d'une classe à travers une méthode de cette même classe. Donc voilà, on s'assure de la compatibilité, de la robustesse, de la fiabilité lorsqu'on appelle cette méthode. Alors comment est-ce qu'on utilise la fonction append? Et bien tout simplement en fait on va faire par exemple ici, au lieu d'appeler une troisième variable string, je vais vous parler de l'allocation de la mémoire après parce que c'est un sujet que je veux aborder aussi. Je vous ai un petit peu menti dans les vidéos précédentes lorsqu'on déclarait une petite variable string dans le stack, c'est pas tout à fait de l'allocation dans le stack, je reviendrai plus tard là-dessus. Donc ici ce qu'on va faire tout simplement c'est mot 1 point, et là en fait comme si on était dans une classe qu'on avait nous-mêmes implémentée, je vous renvoie vers les vidéos des classes, des structs aussi d'ailleurs, lorsqu'on utilise l'opérateur point sur une variable, un objet d'une classe, et bien on accède en fait aux méthodes de cette classe. Donc là en fait on accède aux méthodes de la classe string. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Il y a cstring, par exemple, il y a append ici qu'on va utiliser tout de suite. Il y a assigned, il y a at, il y a back, begin, capacity, toutes ces méthodes-là, on va pas tous les voir, on va en voir quelques-unes. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est append, et dans les parenthèses, dans les arguments de cette fonction append, on va tout simplement mettre mot 2, comme ceci. Et là, en fait, on va l'afficher. Voilà, donc on va faire un ctrl X, en fait, hein. Je vais le faire directement ici, hop, comme ça. Et là, on fait F5, on lance notre programme. Ah, on a un petit souci. Ah oui, bien évidemment, si je laisse le point virgule, ça risque pas de marcher. Donc là, on relance le programme et vous voyez que on a le même résultat que tout à l'heure. On a bonjour plus loin hello qui s'affiche. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a rajouté alors append. Qu'est-ce que ça veut dire append? Dans un fichier, par exemple, lorsque vous faites un append, eh bien, ça va à la fin du fichier et ça rajoute quelque chose à la fin. Tout simplement. C'est ce que fait append, c'est tout simplement rajouter à la fin quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'on rajoute à la fin de mot 1? Eh bien, on rajoute hello. Donc on rajoute après bonjour espace hello. Voilà. Donc on a bien bonjour espace hello qui s'affiche. Petite parenthèse, le mot clé append, ça me fait penser qu'il y a quelque chose dont j'ai jamais parlé mais qu'il faut absolument que j'aborde, c'est la gestion des fichiers. Il faut savoir qu'en C++, on peut lire, on peut écrire dans un fichier, que ce soit un fichier texte, un fichier ini, un fichier XML, de toute façon, tout ça c'est des fichiers texte quelque part. Windows leur donne des extensions différentes, par exemple .txt, .ini, .xml, .xls, etc. Mais tout ça en fait, ça, c'est des fichiers texte. En C++, tout ce qui va différencier par exemple un fichier XML d'un fichier ini, d'un fichier texte, c'est que par exemple, le fichier XML, il aura des balises pour séparer ses valeurs, ses blocs, etc. Le fichier ini, il aura des sections et le fichier texte, il aura juste des lignes en fait. Voilà, donc on verra tout ça dans une vidéo, j'en ai jamais parlé, c'est pour ça que j'en parle maintenant. On verra tout ça, c'est très important aussi à voir. Passons. On va maintenant parler d'une autre fonction, c'est la fonction substring. Alors la fonction substring, en fait, ce qu'elle fait quelque part, c'est que, imaginons qu'on déclare deux strings. Dans le premier string, on va déclarer une chaîne de caractères, par exemple, bonjour, il fait beau aujourd'hui, je sais pas, je prends un exemple quelconque. Imaginons qu'on veuille se resservir de bonjour dans d'autres strings pour pouvoir par exemple créer des strings génériques, on va pouvoir ajouter à chaque fois quelque chose qui est personnalisé, customisé, mais soit on n'a pas la possibilité de faire une copie de simplement bonjour, soit on n'a pas la possibilité de l'écrire en dur, parce que si jamais on veut récupérer tout un texte qui fait plusieurs centaines de lignes, vous êtes d'accord qu'on va pas réécrire à la main dans notre string ce qu'on veut récupérer. Donc il y a une méthode qui s'appelle substring et qui va en fait nous permettre, entre autres, ça permet de faire d'autres choses, mais qui va nous permettre d'aller récupérer une partie du string, la partie qui nous intéresse. Par exemple ici, imaginons que on fasse bonjour tout le monde ici dans notre string mot 1 et que en fait notre string mot 2, on veut une partie de ce qui se trouve dans notre mot 1 mais pas tout. On veut juste par exemple bonjour, on veut récupérer bonjour et le stocker dans notre mot 2. Et bien pour ce faire, on va faire appel à la méthode qui s'appelle substring. Donc on va faire string mot 2 égale mot 1 point et là on va aller chercher substring, donc
substr. Et en fait, dans les parenthèses, là, on va rentrer deux arguments. Pourquoi deux arguments? Alors, on peut aussi en rentrer qu'un seul, mais on va en rentrer deux parce qu'on veut d'une part préciser à partir d'où on veut récupérer les caractères et où est-ce qu'on veut s'arrêter. Donc, on veut un intervalle, on veut deux index. La deuxième valeur, le deuxième argument, c'est pas l'index, mais c'est le nombre de caractères qu'on veut prendre. Par exemple, ici, si on veut récupérer bonjour, on va d'abord spécifier 0, qui est le premier index à partir duquel on veut commencer à récupérer les caractères qu'on veut. Et ici, eh bien, on va spécifier le nombre de caractères qu'on veut récupérer. Et le nombre de caractères qu'on veut récupérer, eh bien, c'est le nombre de lettres en fait qu'il y a dans le mot bonjour, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On veut récupérer 7 caractères. Donc on va faire comme ceci, on va rentrer 7 comme deuxième argument, et maintenant on va simplement afficher mot 2 pour voir si on a bien pu récupérer grâce à la méthode substring les caractères qu'on désirait depuis le premier string. Donc on lance notre programme et on voit qu'on a bien bonjour qui s'affiche, on a bien récupéré en fait les caractères qu'on voulait grâce à la fonction substring depuis le string mot 1. Donc voilà une des utilités de la fonction substring. Donc il y en a d'autres, par exemple on pourrait tout simplement se contenter d'afficher juste une partie de notre string. Par exemple, si on veut juste afficher bonjour, eh bien on ferait tout simplement ceci. Donc on copierait ceci dans le cout. Bon, ici ça sert à rien que je vous le montre, vous avez compris le principe. Maintenant imaginons qu'on veuille simplement par exemple récupérer le mot monde, donc tous ces caractères là. Eh bien comment on ferait? Bah tout simplement en fait là il faut changer l'index. Donc l'index on va devoir le calculer. Donc là on est à l'index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors attention, les espaces sont aussi des index et aussi des caractères. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là il faut commencer à 15. Le mot monde, il a combien de caractères? Il en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on précise 5 caractères. Alors non, effectivement, c'est pas l'index 15, je me suis trompé, c'est l'index 16. Voilà, donc il y a 6 lettres. Maintenant, effectivement, si je relance le programme, voilà, on a bien récupéré juste le mot monde, donc juste les caractères M-O-N-D-E depuis notre string 1. Voilà pour la fonction substring. Maintenant, on va attaquer une autre fonction. Donc on a vu, je vous le répète, hein, la concaténation de string. On a vu la fonction happen qui revient un petit peu au même que la concaténation, sauf qu'on fait appel à une méthode de la classe string. On vient de voir la méthode substring. Maintenant, on va voir la méthode erase. Donc la méthode erase, elle permet en fait deux choses. La première, il faut savoir qu'elle a deux surcharges, cette fonction. La première, avec un seul argument, ça permet simplement de préciser un index à partir duquel on va supprimer tout ce qui se trouve après. Donc par exemple ici, regardez, je vais juste remplacer substring par erase. Et là, on va par exemple supprimer tout ce qui se trouve après bonjour. Donc ici, on commence index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si on précise l'index 6 dans notre fonction erase, je lance le programme et vous voyez, ah ben non, effectivement, en fait, c'est inclus. Excusez-moi, l'index, il est inclus, donc il faut faire l'index plus 1 pour inclure en fait ce qu'on veut pas supprimer. Donc du coup là, si je relance le programme, on a bien bonjour qui s'affiche et en fait tous les autres caractères ne font plus partie de notre string. Il a diminué la taille de notre string pour n'inclure que ce qu'on a décidé de garder et de jeter tout ce qui est dans la fonction erase. Donc la surcharge de la fonction erase, en fait c'est un petit peu comme la fonction substring, c'est-à-dire que on va pouvoir lui dire, ok, tu commences à partir d'ici, mais tu ne supprimes qu'un certain nombre de caractères après. Par exemple, imaginons qu'ici on en a marre de dire bonjour tout le monde et on veut simplement dire maintenant bonjour le monde. Et bien pour ce faire, donc là ici on a déjà le 7 qui précise qu'on veut commencer à partir d'ici, et si on veut supprimer donc ceci, le mot tout et l'espace qui se trouve entre le mot bonjour et le mot tout, et bien on va préciser le nombre de caractères que cela fait, et ici on a l'espace, ça fait 1 avec le T2, avec 0, 3, 4, 5, et du coup on tape simplement 5. Si je lance mon programme, maintenant vous allez voir que effectivement on a bonjour le monde et on n'a plus bonjour tout le monde, le tout et l'espace ont été supprimés. Voilà pour la fonction erase. Donc il y a d'autres surcharges, il y a d'autres utilités, je pense qu'on va pas les faire, ça sert à rien d'aller aussi loin, je couvre les bases uniquement dans cette vidéo, il y a déjà tellement de choses à dire que voir toutes les surcharges de toutes les fonctions de la classe string, ça ferait une vidéo de 2 heures. Donc on va passer à la suite, et la suite c'est la fonction find. Donc la fonction find en fait elle est un petit peu différente des fonctions qu'on a vues, parce que la fonction find elle retourne quelque chose, elle retourne un integer, en fait elle retourne ce qu'on appelle un size underscore t. En fait un size underscore t c'est ni plus ni moins qu'un unsigned int, donc un entier non signé, donc un entier positif. Donc la fonction find en fait elle va nous permettre de retrouver l'index d'un caractère que l'on cherche. Imaginons ici, on va commenter mot 2, on n'en a plus vraiment besoin. Imaginons ici qu'on cherche par exemple à quel index se trouve la lettre U. Donc vous allez me dire, la lettre U, bah il y en a plusieurs en fait dans notre string. Mais vous allez voir ce qui se passe. Ici je fais par exemple mot 1.find et dans les parenthèses de la fonction find, je vais rentrer, donc c'est au choix, soit vous rentrez un constchar pointer, donc un string literals avec les doubles codes, soit vous servez des simples codes pour un caractère. Les deux fonctionnent. Donc ici je vais mettre U. On veut retrouver l'index auquel se trouve la lettre U. Je lance mon programme maintenant et vous voyez qu'il affiche 5. Vérifions que 5 est bien le numéro de l'index auquel
lequel se trouve la lettre U. On regarde. Donc là, B c'est en index 0, O c'est en index 1, N c'est index 2, J 3, O 4, U se trouve bien à l'index 5. Néanmoins, eh bien, on a un deuxième U. Donc comment ça se fait ? Eh bien, en fait, tout simplement, la fonction find, elle n'est pas très complexe. Hein. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher le caractère qu'on a spécifié dans les arguments. Et à partir du moment où elle l'a trouvé, dès lors qu'elle a trouvé la lettre qu'on cherchait, on va sortir de la fonction find. Ça va nous retourner, en fait, l'index, le premier index qu'il a trouvé, qui contenait le caractère qu'on cherche. Si maintenant, par exemple, imaginons qu'on veuille trouver le deuxième U de notre string, eh bien, ici, on pourrait se servir de la surcharge de la fonction find pour préciser à partir de quel index on commence à chercher. Ici, on a vu qu'il nous retournait l'index 5. Et bien, si on précise comme deuxième argument qu'on veut commencer à chercher cette fois à partir de l'index 5, donc ça veut dire que le U qui est à l'index 5, on l'ignore, on commence à chercher après. Si je lance mon programme, vous allez voir qu'il va nous retourner en fait l'index. Ah ben non, là, en fait, il faut chercher à partir de l'index 6, excusez-moi, évidemment, je dis n'importe quoi. Là, vous allez voir que, évidemment, il nous retourne l'index 10. Est-ce que l'index 10 est bien l'index où se trouve le second U? Eh bien, on sait que le U se trouve à l'index 5, le premier, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc on voit bien que le deuxième U se trouve bien à l'index 10 dans notre string mot 1. Voilà pour la fonction find. Donc la fonction find, elle peut être très utile. Par exemple, lorsque vous faites des manipulations de fichiers, vous faites des comparaisons, vous voulez trouver l'index d'une certaine lettre pour pouvoir commencer à écrire à cet endroit-là. Si vous avez, par exemple, un fichier ini, vous voulez trouver une certaine valeur, vous cherchez un caractère spécial comme le égal et vous voulez, en fait, écrire, modifier ou assigner une valeur ou modifier une valeur qui se trouve après un égal, et bien vous pouvez vous servir de la fonction find par exemple, ça peut être pratique. Alors vous avez d'autres méthodes qui sont très utiles avec les strings, donc qui sont beaucoup moins compliquées que ce que je viens de vous montrer maintenant. Par exemple, vous avez une méthode qui vous permet de retourner le nombre de caractères, donc la longueur de votre string. Par exemple ici, je vais pas m'amuser à compter combien il y en a peut-être une quinzaine ou une vingtaine, et bien tout simplement, au lieu de compter à la main combien il y a de caractères dans mot 1, on pourrait simplement faire par exemple quelque chose comme mot 1 point size, donc là en fait la fonction size qui va me retourner la taille de mon string, donc c'est-à-dire le nombre de caractères qu'il y a dans ce string. Donc voilà, on va voir, on lance le programme, là on en a 21, on va voir que c'est bien le cas, mais vous verrez que c'est bien le cas. Donc là on va les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà, donc on a bien 21 caractères dans notre string. Il faut savoir aussi qu'il y a la fonction length. Bon, en fait c'est la même chose, hein. La fonction length et la fonction size, c'est la même chose. J'ai acheté, alors est-ce que je l'ai mal écrite? Ouais, je l'ai mal écrite. Ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai écrite comme ça. Je suis désolé. Je l'ai mal écrite. Donc je lance et là en fait on va voir exactement le même résultat. On a 21 qui s'affiche. Bon, utilisez l'une ou l'autre. De toute façon, ça revient exactement au même. Voilà. Vous avez la fonction capacity. Donc en fait, capacity, ils l'ont pas appelé size, ils l'ont pas appelé length, tout simplement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. En fait, la fonction capacity, elle va vous retourner la taille de votre string en octets dans la mémoire. Pas le nombre d'éléments, mais vraiment la taille en octets. Donc là, si je fais F5, vous allez voir qu'on va avoir un entier. Donc on a 31. Donc effectivement, en fait, notre string, il prend 31 octets en mémoire. Alors, vous pourriez vous amuser à vous dire, comptons le nombre de caractères, parce que de toute façon, chaque caractère, c'est un char, c'est un octet en mémoire, et voyons si ça correspond. Bah non, ça correspond pas, vous voyez bien que là, on a 21 caractères, donc on est censé avoir 21 octets, mais 21 octets dans un contexte de const char pointer, oui, dans un contexte de char array, oui, dans un contexte de string literals, oui, mais dans un contexte de std string, non, parce qu'un std string, encore une fois, je le répète, et c'est important, c'est une classe, classe, elle a d'autres membres, elle a ce qu'on appelle des itérateurs, donc c'est des pointeurs vers un certain index, donc ça il faut bien les stocker quelque part, donc ça prend de la place. On a des méthodes, on a d'autres données membres, donc on va pas aller éplucher la classe string, mais il faut savoir que tout simplement voilà, c'est une classe et qu'un objet de type string, il est susceptible d'avoir d'implémenter telle ou telle chose qui vont évidemment augmenter la taille de notre string en mémoire, donc ça fait pas exactement le nombre d'octets qu'il y a de caractères dans le string. Voilà pour les fonctions et les méthodes de la classe string. Donc avant de terminer cette vidéo, deux derniers sujets qu'il faut que j'aborde. Le premier, c'est la question de la mémoire. En début de vidéo, je vous ai fait un petit sneak peek, un petit spoil en vous disant que un string, en fait, ça se contentait pas d'allouer de la mémoire dans le stack, ça faisait un petit peu plus que ça. Effectivement, en fait, un string, ça alloue dynamiquement en mémoire. Là, le string mot 1, sans le savoir, sans même qu'on le sache, on ne s'en rend même pas compte, en fait, ce mot 1, il est alloué dans le tas. En fait, il y a une explication à cela. Déjà, discutons un petit peu le fait même qu'il soit alloué dans le tas. Comment est-ce qu'on fait pour le gérer en mémoire? Et bien en fait, à l'instar d'un smart pointer, donc d'un pointeur intelligent, en fait, vous déclarez ici votre string, vous l'initialisez, il est alloué dynamiquement en mémoire, mais à l'instar, comme je le dis,
s'agit d'un pointeur intelligent, en fait, dès lors que vous sortez de son scope, dès lors que vous sortez de sa portée, il est automatiquement détruit. Vous n'avez pas à vous occuper du garbage collector, vous n'avez pas à désallouer vous-même une variable de type stdString. Tout ça se passe à l'intérieur de la classe, pour vous c'est totalement opaque, vous n'avez pas à vous en occuper, c'est fait automatiquement. Évidemment, là, le mot-clé new, l'opérateur new est appelé à un moment donné, quand vous l'instanciez, le mot-clé new, l'opérateur new est appelé automatiquement, et là, lorsque vous atteignez la fin du scope, donc là en l'occurrence la fin du main, eh bien l'opérateur delete est appelé automatiquement en fait dans le destructeur de votre objet de class string. Voilà, donc ça c'est la première chose. Maintenant discutons du pourquoi en fait, pourquoi ça marche comme ça, pourquoi un string est alloué dynamiquement en mémoire. Eh bien un string, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus modulaire qu'un const char pointer, c'est beaucoup plus modulaire qu'un char array ou qu'un string literals. En fait vous pouvez faire plein de choses avec un string, vous pouvez augmenter sa taille, vous pouvez la diminuer, vous pouvez faire des concaténations de string, et en fait tout ça dans le stack ça serait compliqué, parce que dans le stack, je vous le rappelle, le stack c'est on empile les variables les unes sur les autres, mais dès lors que vous voulez modifier votre variable dans le stack, vous auriez besoin de la reprendre en fait, de l'éditer, d'augmenter par exemple sa taille ou de la réduire et de la replacer dans le stack. Donc ça veut dire que vous seriez obligé de désempiler les variables qui se trouveraient au-dessus, de modifier cette variable strip, de la remettre dans le stack, de remettre les... ça serait un bordel pas possible. Du coup là, le fait que ce soit alloué dans le tas, dans le heap en fait, bah ça permet une bien meilleure manipulation de vos strings. Vous pouvez augmenter la taille, donc en fait pour augmenter la taille c'est comme un vector, un std vector, un tableau dynamique, un array dynamique qu'on verra dans les vidéos futures, qui est un container en fait de la bibliothèque standard C++. Et bien quand vous avez une taille n pour votre string ou votre vector, quand vous augmentez, quand vous faites un happen ou quand vous concaténez des strings, le programme va chercher dans le tas un endroit de la mémoire qui soit assez grand pour stocker votre nouveau string qui a grossi, et il va le mettre là-bas dans le stack. Ça serait compliqué de faire ça, vous comprenez pourquoi. Donc du coup voilà pourquoi en fait un string est alloué dans la mémoire heap, dans le tas, et pas dans le stack. Et maintenant vous savez, vous êtes au courant, vous connaissez la vérité, ce n'est pas une variable dans le stack, donc elle est locale bien évidemment, mais c'est pas une variable qui est allouée dans le stack, elle est allouée dans le heap, dans le tas. Donc pour terminer, on va juste parler d'une dernière petite chose. Cette dernière petite chose, c'est, vous vous demandez peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, mais je vais vous le dire, s'il est possible de convertir un std string en const char pointer, ou du moins en une chaîne de caractères de type C. Déjà, pourquoi? Pourquoi on aurait besoin de faire ça? Eh bien en fait, la raison est très simple, c'est qu'il y a énormément de fonctions en C et en C++ qui, dans les arguments, vont prendre non pas des std string, mais des const char pointer ou des char array. Donc dans votre vie de programmeur, vous aurez obligatoirement besoin au moins une fois de convertir un std string en const char pointer. Et je vais vous montrer comment faire. On va prendre un exemple tout simple, je vais utiliser une fonction qu'on n'a jamais vue. D'ailleurs, on va pas s'en servir, je vais pas faire de vidéo dessus. Peut-être que je la verrai dans d'autres playlists, par exemple les playlists plutôt axées système, architecture, par exemple Windows ou Linux. Il faut savoir qu'en C++, on a une fonction qui vient d'ailleurs du C, qui s'appelle la fonction système. La fonction système, en fait, elle va vous permettre de capturer la chaîne de caractères que vous lui rentrez en argument et de l'exécuter comme si vous l'exécutiez depuis un invité de commande ou le PowerShell ou le shell Linux, par exemple. Je sais pas si vous connaissez Linux. En Linux, par exemple, si vous utilisez le terminal ou que vous êtes dans une installation minimale de Linux, vous avez, comme dans les, vous savez, dans les films, vous avez un écran noir avec un prompt et vous rentrez des commandes, vous faites entrer et vous avez des choses, vous avez uniquement des caractères qui s'affichent à l'écran. Et bien là, en fait, la fonction système, elle va capturer ce que vous allez lui dire de capturer, ce que vous allez écrire dans les arguments, et elle va l'exécuter dans un terminal. Cependant, elle ne peut pas prendre un string. Là, par exemple, si j'essaye de passer la variable mot 1, donc déjà, vous voyez que, regardez, je vais zoomer dessus dans le montage, mais vous voyez que comme argument, elle prend un const char pointer. Elle prend pas un string. Là, si j'essaye de lancer le programme, eh bien, on a une erreur. On a une erreur parce qu'il n'existe aucune fonction de conversion appropriée de std string en const char pointer. Eh bien, ne vous inquiétez pas, la classe string, elle implémente bien évidemment une fonction qui permet de convertir un std string en const char pointer. Bon, là, on va faire quelque chose d'un peu plus utile. On va faire par exemple ipconfig. Ipconfig, c'est une commande Windows qui permet d'afficher votre adresse IP, le masque, la passerelle, les DNS, etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais ici, si par exemple, je voulais me servir de mon string pour le rentrer à l'intérieur de la fonction système pour pouvoir en fait simuler un input d'utilisateur dans une fenêtre de terminal, eh bien je pourrais faire mot1.cstring. Voilà, elle est là, la fonction, vous la voyez, c'est la toute première fonction, la toute première méthode qui nous est proposée. Donc ici, bien évidemment, il faut des parenthèses, c'est une fonction. Hein. Et ici maintenant, si je fais F5, on voit évidemment que on a tout ceci qui s'affiche, donc qui est le résultat de la commande ipconfig, comme si on l'avait tapé depuis un terminal Windows, depuis l'invité de commande, par exemple. Voilà, donc c'est très utile, cette fonction c_string, elle est très importante, elle va vous servir vraiment dans plein de situations différentes, maintes et maintes fois dans votre vie des développeurs. Donc retenez-la, retenez d'ailleurs toutes les fonctions qu'on a vues, c'est des fonctions, les méthodes fondamentales qu'on a vues dans cette vidéo sur les strings.
Voilà, on va s'arrêter là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Et abonnez-vous, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao, ciao!